Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah, écoutez, moi je vais très très bien. Donc j'espère que de votre côté, il en est de même. Donc on va regarder un peu ensemble les messages que je peux vous faire passer. Donc vraiment, prenez ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas, bah, vous le laissez, tout simplement. Allez, on y va, on va voir tout ça ensemble. J'ai l'impression qu'il y a de la lenteur par rapport à des événements qui vont arriver. Des choses assez lentes au niveau d'événements qui vont arriver, hein, là dans le futur. Il y a une certaine lenteur vis-à-vis de cette situation, des personnes qui doivent attendre quelque chose. Après, ça peut être aussi une lenteur vis-à-vis de ressentis ou de clairvoyance. Des choses qui peuvent prendre du temps, des choses peut-être un peu longues pour certaines personnes. On me parle aussi de l'héritage au niveau d'une clairvoyance ou de ressenti. Des choses que des adultes transmettent en héritage au niveau de leur clairvoyance, hein, à des jeunes personnes. Hein. Moi, on me parle de personnes qui sont adultes et qui transmettent leur clairvoyance et leur ressenti donc à des jeunes personnes en héritage. Hein, le don de voir des choses ou de clairvoir, de voir d'avoir une forme de clairvoyance. Hein. Donc, on me parle de ça. On me parle d'une femme qui ressent beaucoup de choses et elle va transmettre des choses en héritage, que ça soit financier ou que ça soit autre chose. Mais on transmet beaucoup à de la jeunesse. On me parle aussi de choix, hein, de choix qu'une personne va devoir faire, hein, par rapport à des choses que l'on peut ressentir vis-à-vis d'une femme. Donc moi, je vois quelqu'un qui va faire un choix. D'accord? Donc, allez, on va voir. Donc là, on me parle de secret. D'accord? Donc là, j'ai deux personnes au minimum qui parlent, hein, qui cachent beaucoup de choses. Une qui parle à une autre. Voilà, hein, ça discute. On aime bien les cancans. On aime bien les commérages. Et on se régale. Vis-à-vis de cette situation, moi, je vois une autre personne qui, c'est comme si la personne allait avoir un sac ou une valise, et vis-à-vis de cette situation, quelqu'un qui va avoir différentes options, différentes possibilités, et quelqu'un, vis-à-vis de ces personnes qui parlent en mal de quelqu'un, je vois quelqu'un qui va faire un choix. D'accord? Ok? Moi, on me parle de ça. Donc, j'ai l'impression que pour ces deux personnes, ça va pas trop bien se passer. Ensuite, on me parle que la personne donc qui va faire ses choix, pour moi, c'est un homme, va faire un choix. Mais se casse la tête ou va se casser la tête à faire des choix. Je vois que ça va pas être facile. Donc c'est quelqu'un qui, vis-à-vis des choix que l'on doit faire, et en plus, j'ai l'impression qu'on a des soucis parce que on ressent des choses vis-à-vis d'une femme et aussi la femme vis-à-vis de l'homme. Et moi, ce monsieur-là qui a des soucis parce qu'en plus, j'ai l'impression qu'il y a une situation où je vois deux femmes qui parlent de ce monsieur, hein, des choix, des possibilités qu'il va faire. Comme si ces personnes savaient clairement la situation et un homme qui, par rapport à ce que ces personnes disent derrière, comme si cette personne allait devoir faire un choix ou que ça allait se savoir, des choses comme ça. Mais moi, pour moi, il est clair que par rapport à ces deux personnes qui parlent mal de cette personne,
Je vois que la personne va devoir vraiment choisir ce qu'on doit faire. Le problème, c'est que cette personne a des gros soucis par rapport à ces personnes qui parlent, par rapport au choix qu'il doit faire. Et puis, il se prend la tête aussi, il a pas mal de soucis, il se prend la tête par rapport à ce qu'on peut ressentir par rapport à une femme. Après, on me parle également. Par rapport à ces soucis, je vois beaucoup que on prie. Ou on prie, ou on protège quelqu'un par de la prière, des choses comme ça. On me parle aussi que de toute façon, l'univers va t'aider. Donc tes soucis, tu n'es pas seul, hein. Tu n'es pas seul face à tes soucis. D'accord? Et puis, je vois une femme aussi qui prie beaucoup et qui protège un homme. On me parle aussi d'une surprise, quelque chose qui va arriver, comme si c'est quelque chose qu'on attendait, quelque chose que l'on souhaite, quelque chose qu'on a envie qui s'exauce. On me parle d'une surprise qui va arriver, mais par rapport à cette surprise, moi j'ai quand même la lenteur sur les événements. Hein. On me parle aussi de surprises qui ont un lien avec le domicile. D'accord? Il y a un lien avec avec le domicile, j'ai des surprises par rapport à ça, mais il y a une lenteur aussi par rapport à de la famille. Mais on parle vraiment d'une surprise qui va arriver. On me parle également de rival. Donc, quand je dis rival, c'est j'ai un homme, d'accord? J'ai un homme, mais il y a un autre homme. Donc, pour moi, minimum, il y a deux hommes. On me parle de ces deux hommes et on me parle de leur maison. Ces deux hommes ont une lenteur par rapport à des choses liées à la maison. D'accord? Pas mal de lenteur. Pour moi, c'est deux messieurs. D'accord? Mais pour moi, ces deux hommes qui ont une forme de rivalité par rapport à la maison, à des choses à régler, il y a pas mal de lenteur. Mais j'ai une surprise qui va arriver. Ces hommes, on me parle aussi de l'été. D'accord? Des choses sur l'été, ils me ressortent assez rival. On me parle de ces deux hommes et d'une période été. On me parle aussi du signe d'eau. Hein? On me parle du signe d'eau, on me parle d'hommes qui peuvent vivre près de l'eau ou près d'un point d'eau. Par rapport à l'eau, le signe d'eau, on me parle que les signes d'eau ont une fidélité. On me parle que ce sont des personnes assez fidèles. D'accord? Et concernant les signes d'eau, il y a cette fidélité qu'on peut avoir à deux hommes. Hein, à deux hommes et on peut avoir un attachement. Après, ça peut être ces deux hommes aussi rivales. Hein, on parle de deux hommes qui ont une rivalité dans un attachement et une fidélité. Mais moi, j'ai aussi le signe d'eau qui a une fidélité et un attachement. Alors, je t'explique. Ça peut être ces deux hommes qui sont signes d'eau ou un des deux qui est signe d'eau. D'accord? Mais il y a une fidélité, ces deux hommes, le signe d'eau, un attachement, une fidélité. Ensuite, on me parle de déménagement. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va arriver. J'ai le signe d'eau, très attaché, fidélité. Je vois un déménagement. Et par rapport à ce déménagement, j'ai une protection sur le déménagement pour les signes d'eau. Moi, j'ai des signes d'eau qui déménagent. Ensuite, on me parle d'amour, d'attachement. Moi, sentimentalement, il y a ce truc où je vois minimum deux hommes ou deux femmes qui parlent en secret de sentiments, d'amour. On parle. D'accord? On parle en mal, il y a des commérages. D'accord? On me parle d'un défunt. D'accord?
un défunt qui aime énormément une personne et qui protège quelqu'un. On me parle que par rapport à ces deux personnes qui parlent de la vie sentimentale d'une personne en mal, et en plus il y a quelqu'un qui protège cette personne de qui on parle en mal, moi en plus ce défunt va pousser une personne à prendre des décisions sentimentales et par rapport au fait qu'on parle en secret de cette personne. Donc moi, j'ai un défunt. J'ai quelqu'un qui est décédé, un jeune homme. Un jeune homme, et ce jeune homme, pour moi, était amoureux d'une personne. Amoureux. Mais vraiment amoureux. Pour moi, ils ont eu des rapports sexuels ensemble. Ce défunt est encore très attaché à cette personne. Ce défunt a de l'amour pour cette personne. Et au niveau, quand ils étaient ensemble, ça correspondait parfaitement. Cette femme peut ressentir cet homme qui n'est plus là. On me parle de cet homme et on me parle d'un ange. Cet homme, pour moi, est au ciel. On me parle que ce jeune homme qui est au ciel et qui protège cette femme, cet homme voit cette femme comme un ange. Et que il la protège. On me parle d'un jeune homme qui devait avoir des croyances ou une certaine spiritualité. On me parle aussi qu'il y aura une surprise assez imprévue, qui peut être bonne ou mauvaise concernant un héritage, des choses que l'on va transmettre d'un adulte à un enfant. Hein. On me parle aussi des parents. Hein. Donc j'ai les parents de cette personne. Il y a quelque chose. Hein, voilà, c'est les parents. On me parle qu'il va arriver des nouvelles pour une personne dans un domicile, mais j'ai quand même une lenteur par rapport à ces nouvelles. On me parle également d'ennemis. Moi, j'ai l'impression que ces personnes n'aiment pas quelqu'un, mais il y aura des nouvelles. D'accord? On n'aime pas cette personne. Hein? On n'aime pas quelqu'un, mais il va avoir des nouvelles. J'ai aussi un homme. J'ai un autre homme. Y a la rivalité masculine. Pour moi, ces hommes sont en rivalité et il y a quelqu'un qui n'apprécie pas un homme. D'accord? On me parle de la fin d'une situation, la mort de quelque chose vis-à-vis d'un homme. D'accord? Il y a une jalousie, je vois des nouvelles de quelqu'un que l'on n'apprécie pas. Je vois la mort de cette situation. Des choses qui vont arriver de façon imprévisible et tranchante. On parle que c'est une situation qui s'arrête parce qu'il y a beaucoup de jalousie, hein, ou cet homme ou sur cet homme, mais de la rivalité masculine, quelqu'un qui n'aime pas un homme. On me parle aussi de beaucoup de jalousie, donc des choses qui vont s'arrêter. On me parle du signe d'eau et la mort de quelque chose dans la vie de ces signes. Des choses qui vont prendre fin assez, des choses, comment dire, imprévisibles, qui vont arriver. Et puis, on me parle du signe d'eau, il y a des attachements, une fidélité à cette personne, à ces signes. Mais par rapport à ces attachements et cette fidélité que l'on éprouve à une personne, moi, j'ai la jalousie. De la jalousie. Ça provoque le cœur rempli de haine, de jalousie et de venin dans ses attachements. On me parle aussi de choses qui vont s'arrêter, trop de jalousie, trop de pleurs, trop de trahison. Donc on parle vraiment de la fin de cette situation. J'ai aussi quelqu'un qui déménage, mais qui va ou ressentir vis-à-vis de quelqu'un la trahison, la tristesse, la peine. Moi, j'ai un déménagement, ok?
On me parle d'une protection par rapport à une passion. Une passion, un homme, une femme, je vois un déménagement. Mais par rapport à ce déménagement, il y a quelqu'un qui va prendre cela comme une trahison. Il va y avoir de la jalousie, de la haine même. D'accord? Bon. On me parle également d'une situation, je vous parlais de personnes qui parlent, secret, d'amour, de la vie d'une personne, mais on parle aussi en secret de quelqu'un qui peut être malade, qui va assez souvent à l'hôpital, de quelqu'un aussi qui a des problèmes de cœur, ou cœur, maladie, des choses comme ça liées au cœur. On parle aussi en secret de tensions, de conflits, de relations où il y a des choses qui ne vont pas avec quelqu'un. On me parle aussi de quelqu'un par rapport à des tensions, des conflits, quelqu'un qui va saisir une opportunité. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, hein. Il va essayer de tirer son épingle du jeu. Après, c'est vrai que je vous parlais aussi d'une situation où quelqu'un va devoir prendre une décision, hein, sentimentale. Aussi par rapport, j'ai l'impression, dans certains cas, à un décès qui va arriver, à quelqu'un à qui on est attaché. Quelqu'un qui, par rapport à une histoire de défunt, va saisir une occasion. D'accord? Et puis, il y a le côté opportunité par rapport au travail. D'accord? Et puis, il y a quelqu'un aussi qui se prend la tête par rapport à la sexualité avec une personne avec qui vraiment on désire être. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a des soucis au travail, hein, des choses assez compliquées. Donc là, on me parle d'un choix à faire par rapport au désir d'être avec quelqu'un. Il y a un choix. Si tu veux être avec cette personne, tu es obligé de passer par un procès. Tu n'auras pas le choix. Si tu veux être vraiment avec cette personne, tu seras obligé de passer par un procès. Moi, on me dit ça. On me parle aussi de soucis de quelqu'un, on me parle de soucis, et on me parle d'un jeune homme, et on me parle d'un médecin. Je vois des soucis qui vont arriver par rapport à ça. D'accord? Bon. Donc, c'est assez compliqué, hein? Donc ensuite, on me parle d'une femme âgée. Une femme âgée qui, pour moi, a de l'argent. Donc, voilà. C'est quelqu'un qui a de bonnes finances, hein? Quelqu'un d'âgé. Pour moi, cette dame est en couple. Elle doit aussi avoir des enfants, hein, donc elle n'est pas seule. On me parle également, il y a une histoire par rapport à cette femme âgée. Il y a un médecin, d'accord, proche d'elle, une femme qui connaît un médecin. Cette femme est âgée. Je vois que le médecin a de bonnes finances, la femme âgée aussi. Pour moi, de toute façon, il y a un procès. Je vois que chacun va prendre des avocats, il va y avoir des témoignages liés à de l'argent, mais aussi quelque chose en lien avec le travail. D'accord? On me parle aussi d'une lenteur sur les couples. Je vois des enfants, je vois de l'argent. D'accord? J'ai aussi ces couples, ces enfants. Je vois, pour moi, c'est la mère. La mère de quelqu'un en couple. Et bon, on a transmis des choses à ses enfants. Hein, comment on éduque, comment, voilà, des choses comme ça. Hein. Je vois aussi une femme âgée qui a pas mal de finances, qui va donner de l'argent à une personne, mais il faut avoir de la patience vis-à-vis de ça. Pour moi, ça va pas se faire de suite. J'ai comme si il fallait de la patience parce que je vois quelqu'un où t'as déjà une entreprise ou qui a le projet de créer une entreprise. Hein, on se laisse guider par l'univers par rapport à ça. D'accord? On me parle de chance d'ailleurs par rapport à tout ça. J'ai aussi une chance par rapport à ce déménagement
malgré qu'il y a quelqu'un qui va ressentir un sentiment de trahison, hein. Bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après, il est question aussi de quelqu'un qui est malade ou qui a une maladie, mais on me parle de chance et de bonheur vis-à-vis de ça. On me parle aussi d'une protection sur quelqu'un qui est malade ou malade parce qu'on a une ressent une passion, excusez-moi, pour une femme, mais ça peut s'agir aussi d'une maladie. D'accord? Bon. Ensuite, on me parle de blessures sentimentales qui ne sont pas refermées. Je vois que on parle de sa vie amoureuse, de tensions sentimentales, de conflits dans une histoire. On parle en secret, hein, mais j'ai l'impression plutôt que c'est des femmes. Mais ça peut être des hommes, hein. Mais bon. Et puis il y a aussi, on me parle de quelqu'un qui a des blessures sur le corps, hein, des grosses blessures avec des poings, des blessures aussi, mais sentimentales. Des conflits et des choses assez pesantes dans la vie amoureuse. On me parle aussi de blessures qui vont ressurgir, mais j'ai quelqu'un, moi j'ai une femme qui me ressort rivale, mais j'ai une situation, moi j'ai le diable. Hein. J'ai le diable, j'ai les mauvaises énergies, j'ai une femme rivale, donc il doit avoir deux femmes, et j'ai quelqu'un qui est très mauvaise. D'accord. Ensuite, c'est vrai que on me parle de quelqu'un qui est noir, qui saisit les bonnes occasions, mais dans de mauvaises énergies. Et il faut faire très attention à cette personne vis-à-vis des choix que tu peux faire au niveau de tes opportunités. Parce que moi, je vois vraiment quelqu'un qui est guidé par une mauvaise personne. D'accord? En plus. On me parle d'une femme rivale, d'accord? Et puis on me parle aussi de quelqu'un qui a des soucis dans sa vie sentimentale, parce que on peut être avec quelqu'un, mais il y a quelqu'un d'autre. Donc ça pose quand même des soucis. D'ailleurs, par rapport à cette rivale, la femme, moi on me parle de fin de rivalité. On me parle de fin de rivalité parce que j'en ai une qui est dans la manipulation. J'en ai une qui manipule une personne. D'accord? Donc voilà, hein, moi je vous dis ce qu'on me dit. D'accord? On me parle de fin de manipulation. On me parle qu'il y a une manipulation pour quelqu'un qui va vers le succès. On me parle aussi d'un couple. J'ai le couple, mais dans ce couple, moi j'ai un homme ou une femme qui est infidèle ou qui le sera. On me parle d'un couple et de l'amant et de la maîtresse qui, dans leur vie, ont un succès, hein, professionnel, mais c'est vrai que j'ai pas mal de manipulations. Donc on me parle d'un couple, on me parle de l'amant ou de la maîtresse aussi qui réussissent, mais j'ai une manipulation. D'ailleurs, on me parle de la fin de cette manipulation par rapport à cette femme rivale, qui est vraiment noire. D'accord? On me parle de lenteur, un couple, des enfants, je vois de l'argent. D'accord? Et puis, j'ai ce couple et j'ai une infidélité. D'accord? On me parle de du couple, l'amant, la maîtresse, mais on me parle de la naissance d'autre chose, où il va y avoir beaucoup plus d'abondance. On me parle de deux hommes qui ressortent ennemis, deux hommes qui ou ne s'apprécient pas, ou un des deux n'apprécie pas l'autre. On me parle que par rapport à cette situation, il faut avoir de la patience. On me parle de deux hommes qui ont pas mal d'abondance dans leur vie. On me parle aussi de la naissance d'un enfant. On me parle de la naissance d'un enfant. Moi, j'ai une petite fille là, qui va naître. D'accord? On me parle que je vois des invitations, je vois des rencontres qui arriveront. On me parle d'un homme 30-50 ans. On me parle de auto-entreprise, auto-entrepreneur, profession libérale.
D'accord? On me parle aussi d'une jeune femme par rapport à cette situation. On me parle du signe d'eau, des choses qui vont s'arrêter dans leur vie, on va se laisser guider. On me parle de rencontres, on me parle d'invitations qui arriveront. On me parle aussi que par rapport à des invitations, la naissance d'un enfant, on me parle d'une petite fille, on va vraiment guérir de pas mal de choses. Donc là, on me parle d'un homme âgé. On me parle, cet homme peut être malade ou peut avoir proche de lui quelqu'un qui est malade. On me parle de passion sentimentale, un homme et une femme. Okay? On me parle de paix. On me parle de réconciliation dans le cœur, de réconciliation pour certains dans une relation amoureuse, de réconciliation par rapport à des blessures, des choses assez pesantes. Okay? On me parle de l'automne et la paix va revenir. On me parle pour certains de réconciliation. On me parle de la terre. De la terre, de signes de terre, et on me parle d'une période automnale, et on me parle de paix, on me parle de réconciliation. Par rapport aux signes de terre, on me parle de d'une femme rivale. On me parle d'un homme qui peut avoir des soucis par rapport à de la terre, un signe de terre, une femme rivale et une histoire de sexualité. Ok? On me parle des signes de terre, de paix à l'automne, d'une forme de réconciliation pour les signes de terre, mais on parle d'écroulement, d'effondrement, de faillite, des choses qui vont s'effondrer. On me parle également pour les signes de terre par rapport à un écroulement et un effondrement qui va arriver dans leur vie par rapport à une femme rivale, par rapport à cet effondrement dans leur vie, on parle d'une page qui va se tourner avec une femme, mais un écroulement. J'ai également un procès, des témoignages. Ok? On me parle d'une union, donc on parle couple, des personnes qui sont en couple. On me parle de paix, de réconciliation pour des signes de terre. Ça peut être avec eux-mêmes ou avec quelqu'un. Mais on parle d'un écroulement et d'un effondrement qui va arriver dans des couples. On me parle de manipulation dans un couple et on me parle aussi d'un médecin. Hein? Un couple, un médecin, quelqu'un qui manipule quelqu'un aussi. Et on parle que par rapport au couple et il y a quelqu'un qui est dans la médecine, ce couple-là, on me parle de divorce aussi. Okay? Mais par rapport au signe de terre, j'ai aussi le couple. J'ai une rivale. D'accord? Et on va tourner une page pour moi sur une des deux. D'ailleurs, j'ai un procès qui arrivera. On me parle. Oui, on me parle d'un effondrement dans une union. J'ai un couple qui se sépare pour des signes de terre. Mais on parle d'une bonne nouvelle par rapport à ça pour une femme ou un homme. On est avec un signe de terre. On me parle aussi d'une lenteur, un couple, des enfants. On me parle d'argent, hein. On me parle d'un couple qui a de l'argent, mais on me parle aussi d'un homme qui ou a une maîtresse ou aura une maîtresse. Attendez, je reviens.
Et donc, j'ai l'impression vraiment qu'il y a deux couples, en fait, qui se séparent. Hein, bon. Et là, moi, on me parle de ce couple, je vois de l'argent, mais je vois un homme, un couple, et qui a quelqu'un d'autre. Mais j'ai un autre couple aussi, avec des enfants. D'accord? Et pour moi, il y a vraiment deux couples. Et un couple, pour moi, si vous voulez, j'ai l'impression que je vois deux couples. Deux couples, des enfants. Et je vois de l'argent dans ces deux couples. Mais pour moi, dans un des deux couples, il y a un homme ou qui a une infidélité avec une femme. Hein, mais j'ai l'impression que dans l'autre couple, c'est pas mieux. J'ai l'impression également que le monsieur a quelqu'un. D'accord? Ensuite, on me parle de famille. J'ai cette femme. J'ai une bonne nouvelle qui va arriver pour elle. Hein. J'ai aussi des nouvelles qui vont arriver dans un domicile, dans une famille. Je vois quelqu'un qui va donner de l'argent. J'ai la naissance d'une nouvelle histoire qui va commencer dans une nouvelle famille. On me parle d'un contrat, une famille, je vois quelqu'un qui va signer des papiers. Et on parle de changement par rapport à cela. J'ai un changement et puis on lâche prise et on démarre sur quelque chose d'autre. J'ai une jeune femme, j'ai un homme. Et il peut y avoir aussi un changement au niveau professionnel. On peut décider aussi de travailler à son compte. De toutes les façons, j'ai un lâcher-prise des changements par rapport à un contrat qui vont changer beaucoup de choses. Et on parle d'un nouveau départ. J'ai même un nouveau départ au niveau de certaines amitiés. Parce que j'ai des changements par rapport à une signature qui vont changer. On va lâcher prise aussi sur certaines amitiés. Donc forcément, on ira sur un nouveau départ sur pas mal de choses. Okay? Et puis... Et puis, ouais, il y a beaucoup de choses qui changent. J'ai aussi un déménagement. J'ai des amis qui vont se sentir trahis vis-à-vis de cela. Ensuite, on me parle des signes d'air, d'un nouveau départ au niveau de certaines amitiés. On me parle du signe d'air et d'une protection sur une passion entre un homme et une femme. On me parle de quelqu'un qui est malade. Et on me parle d'un homme qui est âgé. Mais j'en vois un qui est un peu plus jeune. Donc là, on me parle aussi de secrets dans des relations et des liens karmiques, des secrets dans des relations cassées. On me parle d'histoires très très difficiles, des relations brisées. On me parle de blessures dans des relations cassées qui ressurgissent. Et puis, on me parle de paix. On me parle de réconciliation dans une relation. Il y a un lien qui s'est brisé. D'accord? On me parle aussi que par rapport à un lien brisé, il y a quand même quelqu'un qui a une forme de négativité. Hein. On me parle de lien brisé. Pensée négative, on me parle qu'on sent des choses, hein, voilà, on a des ressentis, de la clairvoyance. Par rapport au signe de terre, on me parle de clairvoyance, de ressentis, et on me parle d'une femme rivale, d'accord? On me parle aussi d'élévation spirituelle, par rapport à des pensées négatives, des liens karmiques brisés. on me parle d'un monsieur. Hein, un monsieur qui doit avoir une forme de clairvoyance ou d'élévation spirituelle. Après, ça peut être quelqu'un qui consulte des médiums ou des clairvoyantes. Des clairvoyants. Hein, après, ça peut être aussi ce monsieur qui est comme ça. Ou qui connaît quelqu'un qui est comme ça. D'accord? Bon. Après, c'est vrai qu'on me parle aussi d'un homme, un couple. Il y a un médecin. Il peut être en couple, il y a quelqu'un qui manipule quelqu'un de toute façon dans le couple, et de toute façon par rapport à ce couple, j'ai un écroulement.
Hein. Je vois deux couples, je vois ou deux appartements ou deux maisons, ou l'un ou l'autre. Y a de l'infidélité. Voit de la violence. Ou pour une maison ou pour un appartement, c'est assez compliqué. Je vois quelqu'un qui se sent très seul dans sa maison, qui est en souffrance. Ouais, c'est compliqué, hein. On me parle d'accident, de violence à la maison. Ouais, c'est compliqué. Quelqu'un vraiment, en plus, qui a des idées assez tordues, qui fait des projets pour une personne. Franchement, c'est waouh. Il y a aussi un envoûtement du cœur par magie noire, pour provoquer vraiment des problèmes à une personne, qui se sent très seule dans cette situation. Et vraiment avoir besoin d'aide et de soutien. Et puis je vois vraiment quelqu'un qui déménage. On me parle de quelqu'un qui va devoir prendre des vacances parce que il y a des tas de choses à régler. On me parle d'émotions, de peine, dans des choses qu'on ressent ou qu'on pressent. Il y a le signe de terre, il y a une femme rivale. Je vois la déception et la peine chez quelqu'un qui ressent les choses, hein, qui a beaucoup une élévation spirituelle, des choses, quelqu'un qui sent que tout va s'effondrer dans la vie, d'un signe de terre et de certaines personnes autour. Hein. Il y a aussi la flamme jumelle. Monsieur, j'ai sa flamme jumelle ressent tout ce qui se passe, et une flamme jumelle qui essaye d'harmoniser des choses. Mais moi, franchement, ça a l'air très compliqué. Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.